m'appelle Isabelle Auga et je travaille chez Orange en tant que DRH. J'avais envie de donner de mon temps, de mon énergie et de mes compétences à quelque chose qui est utile à la société. Et je considère que la majorité des maux de notre société viennent du fait que certains jeunes n'ont pas eu la possibilité d'avoir une scolarité riche parce qu'ils ont loupé le coche et qu'ils n'étaient pas suffisamment motivés à apprendre. Donc je trouve qu'Énergie Jeune pointe vraiment là où il faut et qu'on est très utile à cette cause-là. Eh bien, c'est enrichissant déjà parce qu'on intervient en duo et ce duo, il est multiple. Ça peut très bien être un jeune qui fait du service civique. Ça peut être également des collègues d'autres sociétés. Ça peut aussi être des salariés qui ont l'habitude. Bref, on n'est jamais avec la même personne et donc on s'enrichit l'un et l'autre. Et travailler en duo, c'est quand même très très intéressant. Ensuite, et bien surtout, on rencontre des professeurs qui ont un profil très varié et on rencontre beaucoup d'élèves. On est dans la jeunesse, on reste dans l'actualité et on comprend mieux la jeunesse, on comprend mieux les problèmes et aussi les solutions qu'il faut apporter. Ça apporte aussi la satisfaction d'être utile et ça, c'est très important. Mon meilleur souvenir, c'est lors d'une intervention en ruralité. Une jeune fille est venue nous voir, assez émue, en nous disant « Eh bien, vous m'avez fait comprendre, grâce à vos interventions, que je n'étais pas obligée d'être seulement une aide-soignante. C'est ce qu'on me demande, c'est ce qu'on me dit de faire, parce que je veux être dans la santé. Et mes parents et mon entourage me disent « Ben oui, tu vas être aide-soignante. » Mais non, vous m'avez aidé à comprendre que je peux et que je dois viser plus loin si j'en ai envie et que je peux viser infirmière ou médecin, mais que de toute façon, je dois m'ouvrir et que je ne dois pas me limiter à ce qu'il y a de plus évident à la fois dans ma famille et dans ma localité. Quand un jeune vient vous dire ça en fin d'intervention, avec un beau sourire, eh bien, ça vaut de l'or. C'est un super slogan parce que c'est un slogan qui a son sens quand on est jeune, puisque évidemment c'est quand on est jeune qu'on joue tout son avenir, mais ça a également du sens pour nous dans notre vie professionnelle, puisque c'est grâce à notre envie d'apprendre qu'on peut progresser et s'enrichir, et ça a du sens dans la vie de tous les jours. Si vous n'apprenez pas, vous n'avancez pas et vous ne pouvez pas être épanoui. Donc en fait, les clés sont bien sûr l'apprentissage, c'est aimer apprendre et ces clés-là, si on les donne quand on est jeune, eh bien en fait, on donne les clés, je pense quelque part, du bonheur et ça n'est pas rien pour nos jeunes.